Ce générique me donne moi-même les rêves, parce que je rêve souvent d'être aux États-Unis, en France, au Cameroun, à Boya, à Bamenda. Bonjour, bienvenue sur Comédie Presse. Ça me donne des rêves parce que quand on sent ce générique-là, on est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance et on est dans l'information de Comédie Presse. Bienvenue à vous. Restez bien scotchés à la maison parce que ça va chauffer. Ils sont nombreux, ils ont même déjà commencé les problèmes déjà là, alors que je ne les ai même pas encore présentés. Allez, on prend une petite pause. On se retrouve juste derrière. Voilà, un bébé qui a été volé une fois de plus cette semaine à Yaoundé, au lieu dit Eligua, par une nounou qui est mercenaire et Boko Haramique. C'est ça, il faut nous dire. Finalement, le vol des bébés est à la mode au Cameroun. Honorable Tchabal d'Afrique, député de l'opposition, parce qu'il faut préciser, vous n'êtes pas du parti... Non, non, je ne suis pas du parti national. Au pouvoir. Non, je ne suis pas du parti national. Tchabal, vous êtes pour la première fois sur le plateau de Comédie Presse. Donc, dites-nous toute la vérité, rien que la vérité. Je voulais commencer par dire quelque chose. Respectez mon humilité. Respectez mon humilité. Voilà, l'humilité parlementaire. Voilà. Voilà. Parce que quand tu veux me poser les questions, il faut réfléchir sur ça. Même comme je suis de l'opposition, parce que je connais votre mentalité. Quand vous prenez les gens de l'opposition, vous ne les traitez pas comme les gens du Parti National. Ouais. Donc, il faut respecter mon humilité parlementaire. Humilité quoi? Humilité parlementaire. Humilité parlementaire. Donc, respectez d'abord ça. Bon, pour le vote de bébé, oui. Vraiment, c'est un problème que j'ai parlé au Parlement. J'ai parlé de ce problème au Parlement depuis des années. Personne ne m'a compris. Depuis qu'on a perdu Vanessa Tchatchou, j'ai dit au Parlement que pour moi, il faut qu'on augmente le CIMIT, le CIT. C'est quoi? La secrétaire n'est pas venue. Le CITIMIST, le CITIMIST, c'est-à-dire qu'on augmente le salaire. Ah, tu vois que le CITIMIST... le SMIC. Ah, voilà. Le SMIC. Voilà. Donc, parce que, tu vois, on prend Nounou là, la fille qui s'appelle Nounou, oui. Que tu dis là, la fille qui s'appelle Nounou, peut-être elle a 8400. 8400 par mois. Si tu, toi-même, monsieur le journaliste, tu as 8400 par mois, tu peux t'en sortir. Même si on met ça à 15 000, tu peux t'en sortir. Non, même si on met à 20 000, tu peux t'en sortir. Je ne pense pas. Maintenant, quand elle a 8400 le mois, les assiettes, c'est elle qui lave. Tu vois comment les gens poussent. Les gens poussent ça. La mamie, c'est elle qui lave. Oui. Le sol, c'est elle qui lave. Tout ça, c'est elle qui lave. Même parfois, même le monsieur qui est à la maison. C'est elle qui lave le monsieur. Tout ça pour 8400. Maintenant, quand elle a travaillé déjà les 8400 là, imagine-toi que tu lui laisses le bébé. Et que tu sais que les problèmes de bébés maintenant, c'est pour ça que les gens qui travaillent sur le mat de dos, le mat de rein sont nombreux dehors parce que les familles n'ont plus trop de bébés. Tu vois un peu, ils passent, ils voient le bébé. Attends, attends, monsieur le journaliste, respecte les humidités. C'était juste... Respectez les humidités. Voilà. Allez, honorable Tchabal, merci. Commentez le timidité. C'est la même chose. Bon, allez, on va aller vers une autre autorité électorale. Parce que vous êtes honorable. Lui, il est... Non, je vais lui donner la possibilité de se présenter. Je suis chef de village. Pardon? Je n'avais pas encore dit bonjour. Non, ce n'est pas la peine. Je suis très fâché parce que, en fait, vous savez, nous, les honorables Camerounais, aujourd'hui, nous sommes très en colère parce que... Monsieur le maire, t'as dit bonjour. Je ne suis pas le maire. Monsieur le député. Je ne suis pas maire. Écoutez très bien. Très bien. Donc, il faut savoir classer les gens dans leur rang. Ok. Je ne suis pas dernier. Allez, mettez-vous dans un rang. Voilà. Je suis l'honorable Tadjoro international, exactement. Chef de village, maire, oui. Député, sénateur, et bientôt je serai. Je ne finis pas. Mais pour l'instant, j'aimerais dire que lorsque vous venez sur un plateau de télé, vous, si tu m'avais dit avant que ce monsieur sera en face de moi, je ne venais pas. Regardez les chapes qu'il aborde. Ce n'est pas le parti que nous portons. L'étoile dorée est où? Ce sont les chapes. L'étoile dorée, c'est les chapes qui. C'est les gens qui passent autant à tripotouiller et aujourd'hui, le feu a commencé dans les écoles, le feu est allé dans les maisons, le feu arrive maintenant dans notre assemblée. Et bon. Allez, on ne veut pas mettre le feu ici. Je ne parle plus. Okay. Pour le moment, je votais. Oh, ouais. Ils ont mis le feu dans notre assemblée et ce qui nous fait mal dans ça, c'est que
Mon agent reste à l'Assemblée. Monsieur le les ordinateurs que j'ai prévus, je peux vous poser ma question. Posez la question. Très bien. Les agents de la mairie, Anat, les motos taximènes, les taximènes, les petites boutiques. Hein? Rectificatif. Hein? Les agences ne font pas trop des accidents, c'est juste parce que... Les agents de la mairie. Hein? Les agents de la mairie. La mairie oui. Non, la mairie, vous avez raison. Actuellement, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent dans les mairies parce que quand les mairies ont l'argent, ça fait que quand les mairies ont l'argent maintenant, quand vous dites que les mairies n'ont pas l'argent, je comprends. C'est parce que quand les mairies n'ont pas l'argent, les députés ne peuvent pas avoir l'argent. Et comme les mairies doivent avoir l'argent, ça veut dire que les députés doivent également effectivement avoir l'argent. Moi, étant en tant que député sénateur, je suis, comme aujourd'hui, je dois venir ici comme ça, on finit l'émission, je vous mets le cas blanc. Hein? Et vous avez raison de constater qu'aujourd'hui, messieurs les maires n'ont plus l'argent. Et voilà pourquoi nous, les députés également, nous avons pris le carburant à nos jours. Parce que nos carnets de carburant sont restés dans les bureaux et ils ont brûlé. Ceux d'en face. Bon, allez, je vais recevoir maintenant quelqu'un. Je lui laisse la latitude de se présenter. Hein. Bon, bonjour. Oui. Qu'en pensez-vous? Vraiment, une fois de plus, la diaspora qu'en pense que. Au lieu de la danse, nous devons penser d'abord à la panse. Et évitons de biaiser. La panse, c'est le ventre, donc. Évitons de biaiser, nous devons plutôt biaiser. Parce que voilà, j'ai été déplacé depuis les États-Unis de mon corps pour venir ici, justement, dans ce panel. Et je constate que vous avez fait venir vraiment de la vraie racaille. Alors, je préfère. Mes invités, je n'ai laissé personne, monsieur. Moi, je vis, j'ai tout un immeuble en Europe, je vis chez Lodou en Europe. Attendez, il y a quand même deux représentants de la République, le président du Sénégal et Marabout, et il y a Fingon Kralala qui est là. Ce n'est pas la racaille, c'est plutôt la braquaille. La braquaille? Oui, oui. Vous êtes venu nous braquer? Non, non. En fait, ce sont eux qui braquent les. Non, la braquaille, oui, c'est une science. Bon, voilà. Maintenant, quelle analyse par rapport à la situation du Nord-Ouest? Vraiment, nous avons dit, s'il vous plaît, permettez aux gens de. C'est-à-dire, au Cameroun, on ne respecte pas les droits de l'homme. Je l'ai dit ici plusieurs fois, je le redis. Respectez les droits de l'homme. Les droits n'ont pas la même longueur. Hein? Les droits ou les droits? C'est la même chose, monsieur. C'est la même chose. Parce que les soutireurs du marché Mokou ne s'en sortent plus. Vous croyez que c'est facile de travailler avec les deux doigts ici? Pendant que les autres décident de travailler avec les doigts, si, quand tu pars par exemple pour toucher ton argent là-bas, c'est le doigt-ci que tu utilises. Oui. Et ceux de Mokolo, c'est ceux-ci que j'utilise. Les deux doigts. Oui. Alors respectez les doigts de l'homme. Bon, c'est ça. Les doigts de l'homme. Oui. Les doigts ou les doigts? La même chose. Le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis même. Merci beaucoup. Bonjour. Vous me présentez très bien. Bonjour, je tiens à saluer tous les téléspectateurs du Canada. Exactement. Et tiens, salut tous les téléspectateurs du Canada 2, en particulier, n'est-ce pas, de l'émission Comédie Presse. Et à vous préciser qu'à l'occasion de la fin, des fêtes de fin d'année, le président du syndicat des marabouts a baissé les primes, n'est-ce pas, au lieu de 3 801 francs. Aujourd'hui, la consultation est gratuite. Les 5 premiers vont gagner le jackpot. Les 5 premiers? Oh oui, le jackpot. Je suis le premier. Voilà. Aujourd'hui, j'aurai combien dans ma poche? J'étais un peu quelque chose là pour bien éclaircir la situation. Combien j'ai eu dans ma poche? J'étais tout ce que vous avez, il y a un billet ici, il y a un billet là-bas, j'étais. Bon, allez, le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis, le DG de l'ENAM a publié la liste des admissibilités à l'ENAM. Il a signé, on a publié. Maintenant, quelques minutes seulement après, le ministre dit que niet, le gars n'a pas raison. Bon. Analyse choristique. Tu as raison. Une lecture choristique et de manière acaria dans un sens Mozambique et plus soporifiquement parlant. Il est clair. Le chori du milieu démontre ici que il y a eu incompréhension dans un comportement bisexuel à caractère acaria. C'est-à-dire, le DG de l'ENAM. Oui. Avec beaucoup de bonne volonté, n'a pas compris le ministre de la fonction publique. Oui. Le ministre de la fonction publique lui disait, attends, il vérifie là. Il a dit, c'est moi le ministre. C'est moi le ministre. C'est moi le ministre. Laisse-moi homologuer les résultats. Tu penses qu'il y a quand même deux génies
qui ont eu les NAM cette année. Et tu penses, toi, qui dois homologuer le DG, le NAM, je dis, mon ami, j'ai le carnet de la guerre, hein. J'ai le carnet de la guerre, fous-moi la paix. Le ministre dit, bon, publie, alors on voit. Le DG dit, je vais publier. Il a publié. Le ministre dit, bon, pour démonstration de force, 2 heures de temps après, vous avez vu le ministre, il a dit, j'annule. Mais on attends, peut-être que pour rien comme ça, il pose quand même la question là. Comment il peut annuler un concours où il y a deux biens? On appelle ça, s'il vous plaît. C'est à lui que j'ai posé la question. On appelle ça, en langage choristique, on appelle ça la redynamina. La redynamina. C'est-à-dire que c'est une incompréhension socio-éco-monotologique. Ça renvoie à ce qu'on appelle de la retransformation rénamique. Donc, la retransformation rénamique. Bon. Voyez, ça veut dire qu'il faut réinventer les NAM dans un sens figuré à l'angle de 92, Mozambique, pour chuter donc en disant que... C'est la présentation, hein? Oui, c'est la présentation. Oui, mais il ne faut pas chuter. Le ministre de la fonction publique qui est en habitude de ma piscine miraculeuse a tout le soutien du président de Sénégal et Maboko ici. Bien. Le directeur de l'ENAM qui est habitué de ma piscine miraculeuse a tout le soutien du président de Sénégal et Maboko ici. C'est celui qui va venir avec les urines du pangolin qui va gagner. Très bien. Allez, quelqu'un qui n'a pas souvent été sur le plateau, Fingon Tralala. Oui. Bonjour. Oh, bonjour, mon frère. Mais tes lunettes là, ça fait peur, hein. Je sors de l'Europe. Je suis venu directement de l'Europe parce qu'il fallait que je règle certains problèmes ici. Ah bon? Je profite de la présence sur ce plateau des honorables et des députés pour dire qu'il faut voter. Et des présidents aussi. Et des marabouts. A... Pour demander qu'il faut voter les lois à l'Assemblée nationale qui interdisent les gens d'accuser les gens injustement. Fingon Tralala. J'ai été diffamé. Est-ce que la chaîne de Fingon, la chaîne de Longuet Longuet a été remise parce que. Qui a d'abord pris la chaîne? Il a dit que c'est toi. Moi j'ai pris la chaîne. Toi tu m'as vu. C'est lui qui a dit que c'est toi. Il te dit que c'est moi qui me fais vous. Ne parlez pas les choses que vous ne connaissez pas. C'est sur les réseaux sociaux. Donc, je profite de l'occasion pour dire que si il continue à me diffamer, il va m'enflammer. Attends. Diffamer. Oui, il va m'enflammer. Oui. Et dès que je suis enflammé, je suis obligé d'aller dans la piscine miraculeuse. Où est la chaîne? Où est la chaîne? Fingon, où est la chaîne? Quelle chaîne d'abord? La chaîne que Longuet Longuet dit que tu as volée. C'est lui qui dit. Est-ce que c'est toi qui dis? Tu m'as vu prendre la chaîne? J'ai le chien à la maison jusqu'à même pour les chiens, j'achète les chiens, on me parle de chiens, je fais quoi avec les chiens? C'est une volonté de mal parler des gens comme ça. Bien. Je suis venu apporter le démenti. Oui. Je n'ai jamais pris la chaîne de ce monsieur. Qui part de chercher sa chaîne là où il a mis ça lui-même? Si il veut la chaîne, j'enlève celui-ci, tout ça. Non, moi, pas moi. Je parle même la chaîne en direct à la télé. Non, non, moi, je préviens les bretelles. Hein. Comment? Bon, allez. Merci à vous, merci à, également à vous à la maison de nous regarder. On va prendre le top des unes. C'est une affaire de professeur Aïna, le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis, le gnostique et le choristique. On se retrouve juste après hein, pour le premier thème. Ne zappez surtout pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne vous comprenez pas, vous êtes bel et bien sur Canal 2 International, l'émission de Comédie Fest. Est-ce le président du syndicat des marabouts? Sans condition, je commence par jeter les feuilles. Que me présente le poli du milieu? Le poli du milieu me présente mutation. Mutation a muté en grande quantité. Kamwata, de l'eau potable, pas des batailles. Le DG de la Cameroun Water, est utilité. Corporation remplacée moins de 2 ans après sa nomination. Gervais Bolinga est le nouveau patron de cette entreprise qui est anti. Donc, c'est lui le nouveau patron. Oh, oui, c'est un habitant de la population. Nous allons rapidement continuer avec le quotidien Les Perviers. Les Perviers a titré en Gambie. Déchéance des chefs d'État en Afrique. Hein? Le Cameroun n'est pas le Zimbabwe. Contrairement à certains de ses pères. De 1982 à ce jour, le président Paul Biya n'a jamais manœuvré pour céder le pouvoir à son épouse ou à son fils aîné, Franck-Emmanuel Biya, et tient sa légitimité de son peuple, qui lui a toujours accordé ses voix à chacune des élections présidentielles. L'humanité est... Bon, même vous avez la suite à la page de tout ça. Mesdames, mesdames et messieurs, permettez-moi de bouger le courrier. Bouger le courrier et rebouger le courrier. Le collègue me présente l'orphelin. L'orphelin a tiqué en grand-tri.
humanitaire. Le CERAC frappe un grand coup à Bassamba. Le centre médical de la localité situé dans l'Ondé a été rénové puis inauguré. Les nombreux dons remis aux populations le samedi 11 novembre 2016 sont constitués d'une ambulance. Il y avait jusqu'à l'ambulance, que c'est ça. Des appareils électrogènes agricoles, des denrées alimentaires. Ouh, c'est là les gens avaient le matériel. Du matériel didactique, informatique et même là, il a dit ça là-bas. Sans transition de langue, rapidement continue avec Hot News. Hot News article en gantique. Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le tribunal militaire lance 37 mandats d'arrêt. 37 mandats d'arrêt. Contre les sécessionnistes résidant au Nigeria, en Afrique du Sud, en Belgique, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Laisser des atrocités, assassinat des gendarmes, policiers et militaires en service, 29 élèves et étudiants poignardés. Les élèves ont fait quoi? Sur le chemin de l'école. 142 collèges, 5 incendiés, écoles incendiées. 4 marchés incendiés, 246 boutiques calcinées, 7 commerçants tués, 8 commissariats de police, 7... Je continue. Cette brigade de gendarmerie a attaqué les édifices publics vandalisés. C'est terrible. Je continue ailleurs. Mesdames, messieurs, nous allons rapidement continuer avec la nation d'Afrique. La nation d'Afrique a tiré en grand cycle le contrat de bail obligatoire en 2018. La taxe foncière au menu de la sécession budgétaire. Non, pas les parlementaires, si vous votez seulement le contrat de bail, c'est comme si vous êtes locataire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la nation d'Afrique. Nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a tiré en grand cycle. Marc de gendarme. Le parlement indigné. À l'ouverture des travaux de la troisième session ordinaire hier, les présidents et membres du Sénat et de l'Assemblée nationale se sont insurgés contre ces actes et ont réaffirmé le soutien du Parlement aux forces de défense et de sécurité dans leur action pour un retour à la normale. Un retour à la normale. Quelle qu'en soit la normale. Lisez la suite de la page du droit. Un peu plus à voir, ils ont dit, situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, la sécurité renforcée. À la suite du meurtre des trois gendarmes par des terroristes dans la région du nord-ouest la semaine dernière, les autorités administratives ont adopté un ensemble de mesures en vue de garantir la sécurité des personnes de l'État. Mesdames et Messieurs, le Cameroun est un pays bilingue et a deux langues officielles, le français et l'anglais. Et mon président du syndicat de Marabout est bel et bien bilingue. Let's go on, let's continue. African synergy. The 50 year of commitment of 20 years. The non-governmental organized African synergy again is stopping the door after palm in the window. The first lady Chantal Biya with her pin in the studio in continent has positively is back in the winner. Furthermore, she took in the door in the morning after farm in the Menda. Our focus is on the several life of focus is on Excusez mesdames, mesdames et messieurs, le Cameroun est bel et bien bilingue, mais vous avez constaté que le président du syndicat de Marabout est bel et bien bilingue. Et lorsqu'il s'agit de lire en anglais, il y a un léger grippe qui me provoque, je préfère mais que fin à cette revue de presse, d'ici à la recherche côté du Canada, l'émission Comédie Presse continue, 97, 98, 99, 100, 100 commentaires. 100 commentaires. So, we are going to continue in English. Yes. Mm-hmm. We are going to continue in English. Yeah. Fire in the National Assembly. Bon. Yes.
Yes. Ceux qui n'ont pas compris à la maison, ça c'est l'anglais américain. Hein. Yes. Il y a eu le feu à l'Assemblée nationale. Oui, oui. D'où sort le feu à l'Assemblée nationale? Je vais commencer par... Le président du syndicat de Marabout. Le président du syndicat de Marabout. Choristiquement parlant. Une analyse choristique. Mozambique et... Gnostique. Oui, effectivement. Exact. De la diaspora sont étudiants. En réalité, je vous le dis en un mot comme en mille, à l'époque, j'ai dit au plus fort temps, le président du syndicat de Marabout, j'ai vu l'incendie. Et tu n'as pas été. Quand je voulais annoncer qu'il y aura un incendie à l'Assemblée nationale, j'ai parlé, personne ne m'écoutait ce qu'il disait. En réalité, le président du syndicat de Marabout a localisé, bien localisé l'incendie. Parce que quand vous voyez, l'incendie, je suis même en train de voir l'incendie. L'incendie a été causé par une souris qui avait la scie au niveau des dents. Et la souris est partie et y a un député qui a oublié son chargeur. Son fils joue avec le chargeur à la maison, c'est passé dans la marmite. Donc le chargeur, comme ils ont préparé la viande. Et maintenant, l'odeur de la viande là est restée au niveau du cordon. Oui. Et le député a oublié son chargeur à l'Assemblée. La souris donc qui avait la scie au niveau des dents est venue donc pour mordre le chargeur. Et il y a donc eu tout circuit. Au niveau des dents de la souris a donc pris feu. Et c'est donc ce feu qui s'est propagé de manière exponentielle et marapotopotentielle au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il y a eu souris. C'est-à-dire un coup souris causé par la souris. Coup souris, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, et là, ne vous inquiétez pas. Le président du syndicat de Marabout, on a perdu trois étages. Oui. C'est rien. Je peux résister les trois étages sans que les techniciens ne jouent un rôle prépondérant et Mouramegui. Prépondérant et Mouramokati. Voilà. Donc bon. Je peux jouer un rôle Mozambique. Je ressuscite les trois étages. Il faut tout simplement que l'État vienne avec 1,8 centilitres des urines du Mamba vert. Du Mamba vert. Oui, avec les œufs du Magouya. Très bien. Et le reste, c'est là. Je ne prends pas l'argent. Bon, je commence par un représentant du peuple, mais de l'opposition. Trois étages partis en fumée. Alors que vous êtes en séance plénière, vous appelez ça comment à l'Assemblée? Merde. Là, tu m'as attaqué. Je ne voulais pas que tu parles de ça, monsieur le journaliste. Moi, je ne voulais pas que tu parles de ça parce que vraiment, c'est un sujet qui n'est pas bien pour parler. Okay. On a commencé l'Assemblée. Nous, on a dit qu'avancer l'Assemblée. Tu sais pourquoi on a dit qu'on avance l'Assemblée? Parce qu'on a vu que quand les gens partent à l'Assemblée, les gens qui sont en face de moi, c'est eux qui ont les locataires, non? Ils parlent seulement de leur location. Okay. Ils disent seulement qu'il faut que si le locataire a fait deux jours sans payer, on le met dehors. Même si on n'a pas augmenté le mythe. Si maintenant quelqu'un a 24 500 le mois, il a une femme et un seul enfant, même s'il n'a pas une femme, il va payer la maison des députés qui sont en face comment? Parce que tous les camps, c'est les députés qui sont en face. Oui. Maintenant, nous, on a dit que prolongeons. Ils ont dit qu'on ne prolonge pas. Nous, on est parti. On a dit qu'on ne vient pas le premier jour. On n'est pas venu le premier jour. Quelqu'un nous a appelé pour dire que si vous ne venez pas le premier jour, on ne vous donne pas le per diem. Et comme nous-mêmes, on comptait que sur ça pour vivre. Oui. Nous sommes venus l'autre jour pour vous avoir le per diem. Tu sais que c'est 30 000 francs par jour, non? Ah. Quand on arrive maintenant sur le per diem, ils disaient que non, on a coupé le per diem des autres jours. Okay. Maintenant, comme ils ont coupé les perdièmes des autres jours, nous, on a dit que bon, si vous avez coupé les perdièmes des autres jours, vous qui êtes les députés en face, mettez donc les perdièmes des autres jours sur le papier que c'est coupé. Parce que si vous coupez ça sur le papier et on affiche dans tous les journaux, vous les journalistes, vous devez recevoir cela. Comme ils ne peuvent pas afficher sur les journaux, ils laissent les papiers là traîner sur le sol. Ah bon? Ils ont mis les papiers sur les trois derniers étages. Toi-même, tu peux imaginer que c'est les papiers là qu'on calculait. Ce n'est pas la maison. La maison n'avait aucun problème. Bon. La maison là, elle a depuis, non? Ce n'est pas le papier de notre argent. Oui. Hein? C'est ça. C'est le papier de notre argent qui part comme ça. Nous sommes de l'opposition. Ils se disent que nous sommes des adversaires. Nous ne sommes pas des adversaires. Moi-même, j'étais sur le parti d'en face avant. Ma femme est restée là-bas. Elle est mère. Elle est mère. Maintenant, elle dort dans la chambre du dehors. Hein? Elle est mère d'enfant. Oui, depuis. Elle est mère d'un parti. Maintenant, depuis qu'elle est restée dans le parti d'en face, oui. Le parti national, j'étais dans le parti national. Oui. On avait notre musique. Et votre épouse dort où? Mon épouse, comme elle est mère dans le parti d'en face, oui. Le parti national, moi je suis allé dans l'opposition, elle a pris la chambre du dehors. Elle croit que c'est l'adversaire.
Donc vous êtes devenu adversaire politique. On est devenu directement adversaire politique et adversaire conjugal. Concubinat. Très bien. Bon. Donc tu conclus donc que le feu c'est pour les papiers qu'on devait nous donner le PECDEM. Ouais. Hein? Et maintenant leur carburant qu'ils ont augmenté. Vous augmentez le carburant, vous qui êtes en face. C'est vous qui augmentez le carburant. Quand on donne la loi, ils peuvent interpréter. Bon. Ils sont en train de dormir devant la loi. Vous qui êtes en face. Monsieur, il sera difficile pour moi de toujours rappeler tous les titres là. Bon, tous les titres là. Majesté, maire, honorable et tout ça. Tadjoro, vous êtes indexé. Moi, je vous pose une question. Répondez. Il est très facile d'indexer celui d'en face. Mais ils ignorent ceux d'en face. Ils ignorent que... voilà 2018 qui arrive. Quand il venait à l'Assemblée, lui qui est en face de moi, il m'appelle avant de venir en séance. Il veut la voiture pour aller battre campagne. C'est nous qui sommes en face de lui là, qui donnons la voiture. Il veut le maquero, c'est nous en face là qui donnons le maquero. Il veut le carburant, c'est nous en face. C'est nous qui vous donnons le carburant, non? Oui. Hein? Mais tu veux me trahir? Bon, posons-lui la question. Hein? C'est vous qui donnez le carburant. C'est nous. Est-ce que le carburant pour la campagne est gratuit? Ce n'est pas une loi électorale. Tous les partis doivent recevoir quelque chose. Tu parlais, je n'étais pas coupé. Non, répondez. Respectez mon humidité. Tu parlais, je n'étais pas coupé. Bon, on respecte votre humidité. Tu veux le maquero? Ce n'est pas nous qui vous donne le maquero. Le maquero, on ne donne pas gratuit, monsieur le journaliste. Il y a une loi électorale qui dit qu'il faut donner le maquero. Quand ton parti politique a atteint un certain seuil de popularité, n'est-ce pas, quand tu pars sur la campagne, on te donne quelque chose pour battre la campagne. Bon, allez, avant que je ne passe à ce point. Parce que je voulais Oui. Comme lui, il m'indexe en face. Oui. Je voulais dire que nous sommes très choqués. Parce qu'en fait, nous sommes en train de vouloir voir et regarder en face pour regarder clairement, voir comment on peut annuler le incendie. Ok. Si on peut annuler les samedis, parce que comment on a annulé le résultat de l'âme, on peut aussi annuler les samedis là. Président Sénégal, Marabout. Oui. Vous êtes de quel parti? Il est question, je suis le parti de celui qui vient d'appeler. Moi, je vais vous rappeler quelque chose. Le député qui est à côté de moi, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu faire un blindage dans la piscine Macleur? Vous voyez comment vous avez un cœur noir. Ça fait combien de temps? Je ne viendrai jamais. Vous voyez, voilà quand même, le député d'en face est venu dans la piscine miraculeuse avant-hier pour se laver, pour que lui ait fait un bédard. Ça veut dire que c'est une piscine de l'opposition? Non, ma piscine est universelle. Vous avez tout compris? Donc, il est venu se laver dans ma piscine, je lui ai fait un bendage complet. Oui. Il est député à vie dans son parti. Et je pense que celui qui veut s'y maintenir, il doit venir sur le président de Sénégal. Vous comprenez? Fingon Krala. Au lieu que les gens se viennent se battre ici, là, comme ça, là, voter les lois pour les diffameurs. Les diffameurs, c'est-à-dire quoi? Les gens qui diffament les noms des gens. Les diffameurs. Je vois l'ongle de ma chose que je voulais lâcher. Il m'a vu prendre la chaîne. J'ai pris la chaîne là quand? Mais il dit que quand tu es même parti là-bas... Comme il connaît tout là, non? Oui. Comme il connaît tout, non? Tu as dormi chez lui, non? Comme il connaît tout là, non? Oui. Qui dit qui a brûlé l'Assemblée nationale, donc? Qui peut te dire comme sa bouche sort, qui peut raconter tout dans la vie? Lui dit que c'est toi qui a volé sa chaîne. Mais c'est pas moi qui a brûlé l'Assemblée nationale. C'est Longue qui a brûlé l'Assemblée nationale avec sa bouche. Sa bouche là parle de tout. Hein? Qui se taise? Hein? Bon, maintenant, au lieu de voter les lois. Toi, il s'est attaqué à l'île Ponce. Hein? C'est son problème. Qui s'attaque à tout le pays même? Qui passe à attaquer aussi aux députés qui ne veulent pas voter les lois pour que les déflammés ferment les bouches? Voilà, maintenant que toutes les lois que vous avez votées sont brûlées dans les. Non, ce sont déflammés. Ça a déflammé. Oui. Maintenant, on va faire n'importe quoi quand on veut. Quand on va déflammer les gens n'importe comment sans qu'il y ait une loi. Bon, la diaspora veut parler, hein? La diaspora. Qu'est-ce que la diaspora qu'en pense? La diaspora qu'en pense forcément qu'au lieu de la danse, nous devons penser à la panse. Évitons de biaiser, il faut piécer. Hein? Évitons de biaiser, il faut piécer et piécer. C'est inadmissible. Vous savez, dans les pays de la France d'outre-mer, parce que vous savez, la France... Ça veut dire que la France a les pays dans la mer, les pays dans la France d'outre-mer. Et les pays de la France de la mer, c'est Paris, Choco, Côté. Les pays de la France d'outre-mer, c'est Oyoma, Bangwa, Bangabanga, Bomba. Et dans les pays de la France d'outre-mer, on dit exactement ceci. Ouboliga, ou Sissé. Oudigamimpo, ou Sougouné. Ougoudimen, ou Fadegena. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire? Tout ce que tu sèmes, tu vas payer. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a en face de nous la tout ce bataille. Que tu t'aimes, attends, tout ce que tu t'aimes ou tout ce que tu... C'est la même chose.
Tout ce que tu sèmes, tu vas payer. Ce sont eux qui ont voté les lois de libéralisation. Et il y a les églises partout, et je crois que c'est ces églises-là qui ont mis le feu à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Si le pasteur n'est pas là, s'il vous plaît. Vous regardez bien la position de l'Assemblée nationale. Oui. Il y a au moins 100 églises juste autour qui font le cercle comme ça. Oui. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces églises envoient le feu en toutes les langues. Fire. Si elles envoyaient au moins le feu en une langue, là, ça allait être intéressant. Du côté de Bonas, Carrefour, Billy et Waikele, toutes les églises là-bas sont anglophones. Donc elles envoient le feu en anglais. Fire! Vous prenez juste à gauche là-bas, c'est l'ambassade de France et le MINDEF. Et ils envoient le feu en français. Feu! Et vous prenez sur la droite ici, là, Mélène, Carrefour, Emia et consorts. Et je vous jusqu'à au lac derrière là-bas, comme on a donné le lac aux Italiens. Ils envoient le feu en italien. Ils disent que c'est Iouke! Et voilà. Ça, c'est en italien. Ça, c'est la première raison pour laquelle ça a brûlé. Deuxième raison. À Yambassa. Je ne suis pas Yambassa. S'il vous plaît. Non, il y a une église de ma côté. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La deuxième raison, je suis. La deuxième raison, c'est parce que ces églises-là, lorsqu'ils envoient le feu du Saint-Esprit qu'ils envoient là, cherche qui? L'Assemblée nationale. Et comme toute la bracaille va se cacher seulement à l'Assemblée nationale, forcément le feu s'est dirigé là où il y a les démons. Là où il y a le plus grand nombre de démons. Coupez ce monsieur. Coupez ce monsieur. Allez, je vis en Europe, monsieur. Coupez ce monsieur. Je vis sur un immeuble en Europe. C'est la diaspora, c'est la diaspora qui gâte ce pays. C'est la diaspora qui gâte ce pays. C'est vous. Vous êtes la diaspora. Vous vous arrangez. Vous allumez le feu à distance, nous qui vivons au pays. Vous avez dit qu'il y a des églises là-bas à Bonamous, à Diangwekele, partout. Oui. Voilà. On a notre fouilleur, le fouilleur de l'information, il s'appelle Big Rouge. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'on lui donne le nom d'Excellence Big Rouge. Je crois qu'à partir de ce dimanche... Non, pas maintenant. Hein? Que je parle d'abord. Ah bon, hein? Que je parle d'abord. Bon, mais et pour faire plaisir à cet spectateur, on va dire... Le pasteur brûle l'Assemblée nationale avec le feu chaque jour. Et je pense le problème, c'est quoi? Le temps pour que... Excellence Big Rouge, depuis Bonamous a dit, donne-nous encore l'information. S'il y a un incendie là-bas, tu nous dis. Si ce n'est pas un incendie, c'est la diaspora qui crée les problèmes au Cameroun. Ce que tu as vu là-bas. Oui, merci à vous le studio. Je vous reçois Saint-Sucin, comme vous le constatez. La situation est gravissime. Gravissimos, gravos, je dirais même gravis. Mais je suis très content d'être joyeux. Très content d'être joyeux parce que je suis parmi les encadreurs qui encadrent la marche pacifique. Des ordures qui jonchent, longent, prolongent cette route, l'axe lourd, Kladat, Obili. Vous voyez donc que les ordures ont décidé, occuper comme ça rationnellement la chaussée, et décident que si d'ici quelques heures, rien n'est fait, ils vont occuper totalement cette route. Alors nous allons prendre comme ça le point de vue des habitants, des passants, des voyants, qui vont nous dire ce qu'ils pensent de cette menace de grève, des ordures qui prennent en otage comme ça les rues de Yaoundé. Je vous reviens dans un instant. Bonjour mon frère. Bonjour. Les ordures ont décidé de faire une marche et sont en train de vouloir barrer la route. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Isaac nous a abandonné. Ah bon? Oui. Parce que vraiment, il y a deux jours, il y a l'accident même qui s'est passé là. Là, le camion a cassé le pied de quelqu'un. Ok. C'était vraiment une catastrophe à la montée là. Ah. Donc, on ne sait plus, on ne sait pas comment faire Bonas avec la saleté. Tu veux qu'on ajoute ou alors qu'on diminue toi? Non, on veut diminuer, on veut la propriété. Ah, mais le parfum que ça donne là, mon frère, toi tu aimes comment? Non, le parfum là, ça dérange, ça donne la maladie à certaines personnes. Hein. Tu sais comment ça soigne les asthmatiques? Non, zéro. Plutôt ça voit que quand la mort une fois. Ah bon? Oui. Mais ça permet aussi aux gens de l'hôpital de travailler, non? Ah, et puis si on n'a pas l'argent, si tu n'as pas, tu vas mourir. Tu vas voir le président du syndicat de Marabout, il va te soigner gratuitement. Le Marabout, sa piscine est loin, ce n'est pas ici, je suis abonné, comme il est loin là-bas, il veut qu'on peut arriver là-bas. Ah, donc il faut qu'on diminue d'abord. Il faut diminuer ça. Ah, d'accord, merci. Il faut diminuer. Merci beaucoup. Merci aussi. Ok. Bonjour mon frère. Bonjour. Nous sommes venus là admirer ce joli parfum qui parfume votre secteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce joyau qui est derrière nous là? Ok, comme nous-mêmes nous le constatons, on a affaire à la poubelle. Ah, c'est une poubelle? En tout cas, c'est oui. Ah. Du commun de mortel, c'est comme ça que nous l'appelions. Ok. À moins que vous avez un autre terme pour le désigner. Mais étant donné qu'a priori, on s'était dit que la poubelle, ça fait partie des déchets. Oui. Et qui devait être contenu dans le bac. Uh-huh. Et si vous regardez, vous allez constater qu'il est comme ça, on n'a pas de bac. Oui.
la chaussée s'est transformée, en poubelle. Et quand ça se transforme comme ça, on s'attend, si on ne réagit pas très tôt, on s'attendra vraiment aux conséquences très 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 dangereuses. Oui. Non, c'est difficile comment parce que c'est de la on dit on appelle ça comment la poubelle. Ah, c'est la poubelle? Oui, c'est la poubelle. Ah, Coco, comment non, tu peux appeler ça poubelle? Non, c'est la poubelle. C'est pas un bijou? Non, c'est la poubelle, sinon c'est fin déchet des repas que j'ai, des déchets repas, on a des choses derrière la maison qu'on a jeté. Si j'enlève ça tous les soirs. Oui. J'enlève la poubelle là tous les soirs, tous les matins. Oui. J'enlève ça ici. Oui. Tu enlèves ça ici. Bon, Coco, oui. Tu es fier que ça soit là ou alors qu'il faut que ça quitte? Non, ça quitte. Ça quitte. Ça, ça quitte toujours. Ah, ah bon? Oui, ça quitte. Ils enlèvent avec voilà, les camions Isakam là. Ah, Isakam. Mmh. Ah, c'est Isakam qui enlève ça. Oui, ah, d'accord. Et qui fait ça? Là, tu ne sais pas. Non, ça va loin. Tu fais brûler. Hein. Ah bon? Oui, à l'axe Loubois Yaoundé. Ah, l'axe Loubois Yaoundé. Les Mankomo. Ah oui. Le Mankomo là. D'accord. On met ça là sous la main. Il y a un coin, on brûle ça. Oui. On ressource les débris. C'est de retrouver les sources, de ce qu'on a reporté, de ce qu'on a pris là, parce que le reste des débris, ça va. Est-ce qu'en Europe il y a ce genre de bijoux? Non, non, non. Il n'y a pas ça? Non, non. Parce que tu m'as dit que tu étais européen. En Europe il y a les poubelles, mais. Mais pas comme ça. Oui, pas comme ça. Ah. Good morning, my friend. How do you pencil the diesel poubelle de encombre your entry? I don't see you well. The dustbin is nowhere in front of my store. Uh-huh. Yes, I don't want the dustbin. I want the Zakam to come and put their big thing that they are putting dead inside. Uh-huh. So that they can be putting dead inside. Yes. So that people will not be throwing the dead again on the road. It's causing ambutiage, it's causing accident. Hey. In this place, yes. So that's what I'm begging Isakam people to come and help me and do. Uh-huh. To come and put their big dustbin here. Yes. Very good, yes. Bonjour mon frère. Bonjour. Papa. Les ordures ont décidé de prendre la route en otage. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Bon, on dit que les ordures ont décidé de prendre la route en otage. Moi, je pense que c'est un problème d'abord que nous vivons dans la ville de Yaoundé précisément. Uh-huh. Puisque nous n'avons pas des bacs à ordures précises, nous n'avons pas les lieux appropriés pour jeter les ordures. Et dans les domiciles, on ne peut pas les consommer. On a qu'à faire sortir ça des domiciles pour mettre où est-ce qu'on peut mettre. Et l'État n'a rien prévu pour tout ce. L'État n'a rien prévu pour tous ces problèmes d'ordures-là. On ne sait pas comment faire. Donc, si les ordures sont déposées en route, ce n'est pas problème. Ce n'est pas la faute de la population. Oui, on vient d'en faire suivi comme ça. La déclaration. La sensation, l'émotion et même l'action des populations qui plaident comme ça pour qu'il y ait un dialogue tripartite entre les piétons, les ordures et les véhicules. Les ordures qui ont donc décidé comme ça, prendre en otage totalement la route qui relie Kladat à la chapelle Obili. Je vous rappelle que ces ordures sont diplômées. Il y a là ceux qui ont le bac, vous voyez les bacs derrière moi, ceux qui ont le probatoire, ceux qui ont le BPC, ceux qui ont le CEP, il y a même ceux qui n'ont rien. Ils sont décidés qu'ici, d'ici quelques heures, rien n'est fait. Ils vont couper la route. Vous savez que notre pays subit des troubles. Alors, vous avez suivi, vous avez entendu. Que dirais-je? Qu'entendais-je? Que vois-je? Big Rouge pour Comédie Presse. Big Rouge, you are engaging the very, very reporting and you are diploming in the reporting in the Mona Moussa dit for the poubelle. Yes. Ça, ça m'a pas d'anglais aussi. Ce n'est pas moi qui dois perdre. Allez, le deuxième thème. Au secours, pim-pom, pim-pom, les demandes de coup d'État sont de retour en Afrique.
Au cas du Zimbabwe. Bon, comment votre échappe vous échappe? C'est les gens d'en face qui poussent. C'est les gens d'en face. Ils vont comment? Qui poussent? Pour que ça tombe. Bon. Mais je suis élu par le peuple. Le peuple. 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 Ah, le peuple. Ok. Bon, allez, le cas du Zimbabwe alors. Tu sais que depuis, vous parlez de l'anglais. Vous parlez l'anglais. Moi, je parle l'anglais renforcé. Par exemple, oui. Il y a un proverbe en anglais renforcé qui dit que nous y a le caca, le café. Ce qui était arrivé au cacao doit arriver au café. C'est en anglais renforcé. Nous y a le caca, le café. Okay. C'est ça en anglais renforcé. Oui. Bon, ce qui avait arrivé au cacao doit arriver au café. C'est-à-dire quoi donc? C'est pour dire qu'il n'y a pas de coup d'État. Il y a quoi? Mais, il y a quel coup d'État? Tu as vu quelqu'un aller donner le diplôme dans une université pour faire l'inauguration des diplômes. Vous avez encerclé, ils ont encerclé sa maison. Tu sais que c'est quelqu'un qu'on a eu à beaucoup échanger, Mugabe. C'est mon ami intime. Quand il fêtait son 90e anniversaire, il m'a donné le billet d'avion. Tu vois ça, c'est mon pasteur, c'est dedans. Le bizarre de Mugabe. Oui. Je suis parti donc là-bas, quand je le vois, il avait 90 ans. Quand les journalistes sont venus, ton collègue est venu lui tendre le micro pour dire que mais Mugabe, comment tu te sens? Il dit que je me sens comme un enfant de 9 ans. C'est-à-dire qu'il est allé sur son âge, il a retiré zéro sur ça. Ah. Mugabe, il n'y a aucun coup d'État. C'est mon ami. Il est resté dans sa résidence, vous avez dit que vous le suivez. Bon, mais quand il marche comme ça, là, en dansant un peu là, ça veut dire qu'il a tourné, non? C'est un loup. C'est un loup. Ah ah, bon, oui. Les gens d'en face, les gens d'en face, qu'est-ce que vous pensez? Le président Mugabe a d'abord été un grand danseur. Ah bon, hein? Il faut l'affirmer ici. Et il y a un ardage à voûter qui dit que nous, ça veut dire que ce que tu fais ça pour toi-même. Oui. Je vais vous dire une chose ce matin, en un seul mot, comme en mille, comme le dirait celui qui est derrière moi. J'ai la parole. J'ai la parole, s'il vous plaît. Ne me perturbez oui. pas. Oui. Vous savez, Madame Gladys Mugabe m'a beaucoup impressionné. Ouais. Et je l'aimais beaucoup à l'époque. Je l'aimais beaucoup parce que, vous savez, elle a cru que... Je parle comme ça à un homme politique. Un homme politique et un homme averti. Un homme averti. Elle a pensé que le pouvoir était sexuellement transmissible, par exemple. Hein? Et puis maintenant, l'armée est en train de jouer le rôle de préservatif. Hein? L'armée est en train de jouer le rôle de préservatif. Est-ce qu'il s'agit d'un acte sexuel? Non, ça veut dire que l'armée est en train de protéger le pouvoir. Ah. Donc pour que le pouvoir n'échappe pas à Mugabe. Oui. Donc il n'est pas à l'état surveillé, Mugabe se porte bien. Donc l'armée est en train de préserver le pouvoir de Mugabe. Préservativé. Voilà, donc Mugabe se porte bien. D'abord, lui et moi, nous avons causé hier au téléphone, il se porte bien. En dehors des problèmes de l'autre côté là, oui. C'est quand même qu'un citoyen, non? Non, je suis citoyen, c'est sans souci. Bon, quand même tu vois le père là, c'est bon. Il a 83 ans. 90 ans. 93 ans. 13 ans. Il a 93 ans. Non, c'est 10. Même Longue n'est pas vieux aussi comme lui. Il ne peut pas atteindre son âge. Oui. Il a 93 ans, Longue ne peut pas atteindre l'âge. S'il continue à diffamer les gens, parler de vous, de ceux, n'importe comment, il ne peut pas atteindre l'âge. Il ne peut pas. On n'accuse pas les gens n'importe comment comme ça. Mugabe a 93 ans, il n'a jamais pu accuser quelqu'un injustement. C'est pourquoi il a tenu comme ça. Longue accuse les gens, il va vieillir. Il va mourir vite. Je te dis. Bon. Hein? Allez, bon, c'est... Même les coups d'État qu'on fait là, il faut faire les mêmes choses à Longué, qu'il arrête la musique, on fait les coups d'État. Ah bon? Oui, tous les artistes qui l'ont insulté là, diffamé. Tu veux dire que c'est mieux qu'il aille faire plutôt l'armée pour faire le coup d'État au lieu de la musique? Et les journalistes, eux qui font les diffamations, bon, pas vous, hein, des journalistes qui font les diffamations, qui donnent les informations que nous sommes posées. Les diffamations. Les diffamations. Diffamations. Oui. Et moi, j'ai une autre diffamation. Voilà. Là. Il ne faut pas faire les diffamations pour enflammer les gens. Ce n'est pas normal. Exactement. Une analyse choristique. Je pense que le proverbe espagnol nous a suffisamment éclairci sur ce problème de coup d'État en Afrique. Ce proverbe est clair. Le proverbe dit Mokurva, Mapamva, Maketamna, Molurva, Mapamva, Maketamna, Esperamando, Miramando, Emborimando, Eterimando. Yeah! Campagne Manando, Campagne la Terre Timondo, Manamando, c'est qui veut dire, monsieur le modérateur? Exactement. Quand tu vois Fingon se plaindre que l'ongolais exagère, c'est parce que très tôt le matin, le corps qui va boire de l'eau ne va pas chanter avant de boire ce coup. Le corps? Vous avez tout compris.
Je reviens donc pour vous expliquer un fait réel et de manière normale que le président Mugabe, ça fait pratiquement quelque chose comme 5 ans. Oui. Il n'est bien plus au Cameroun, dans ma piscine miraculeuse. Et il y a des mauvais esprits qui ont. En fait, il y a des gens qui sont tentés de prendre le pouvoir. Je dis au président, quand tu viens, quand tu es permanent dans ma piscine miraculeuse, oui. Où ça, c'est l'anglais. Voilà. Tu viens dans ma piscine miraculeuse, tu vas constater que le blindage permanent régulier. Voilà par exemple un jeune de la diaspora. Quand il vient ici au Cameroun, il vient dans la piscine miraculeuse et se blinde. Et vous allez voir qu'il est toujours tout vent. Voilà un député. Qu'est-ce que la diaspora? Je suis donc en disant rapidement que le président Mugabe, qui est assigné à des dents surveillées, n'a pas encore perdu le pouvoir, qu'il envoie la mallette avec son garde du corps. Je vais faire un miracle. Oui. Je vais faire en sorte qu'il reprenne le pouvoir et tout va revenir dans l'ordre. Dans l'ordre. Mmh. Et la diaspora qu'en pense quoi? La diaspora qu'en pense que au lieu de la danse, nous devons penser à la panse. Évitons de biaiser. Il faut biaiser, s'il vous plaît. Parce que vous êtes en train de évitons l'amalgame aussi. Il y a coup d'état au Zimbabwe, c'est clair. C'est un coup d'état. Bon, je suis une diaspora intellectuelle. Alors on va tous définir ensemble ce que c'est qu'un coup d'état. Déjà qu'il y a deux coups. Oui. Il y a le coup d'état et le coup d'action. Le coup d'état, c'est un coup qui est inspiré des verbes d'état comme sembler, être, demeurer, paraître. Et le coup d'action, ce sont les coups inspirés par les verbes d'action tels que chasser, tuer, destituer, enlever, et ainsi de suite. Bon, entre nous, un général qui vient placer ses chars des gars et va dire au président Mugabe, tout semble vieux. Peut-être tu vas laisser le pouvoir. Voudrais-tu... Non! Ça, c'est un coup d'état. Mais s'il passe au coup d'action, là, maintenant, il va dire, Mugabe, je te chasse. Mugabe, je t'enlève. Mugabe, je te destitue. Ce que le général est en train de faire, c'est ce que dans les pays de la CDAO, on appelle les Bakobajona. La CDAO, c'est le cercle des alcooliques anonymes d'Obala au Kolongo. La CDAO. Donc, là-bas, ils appellent ça les Bakobajona. Donc, allez, diaspora, on vous a compris. Hein. Mm-hmm. Bonjour à Suisse. Bonjour à... Le Zouk. Oui. Bonjour. Monsieur Eric. Eric. Oui. Eric qui nous regarde. On va prendre une petite pause. On se retrouve juste derrière. Bon, allez. On est reparti pour les 8, parce que le Réalo, il est prescrit, hein, parfait, Zambo. Il nous fait une grosse. Nous vous même encore les petits minutes. Je voulais éclaircir quelque chose avec les Corées. Beaucoup de choses à vous dire à la maison, mais vous-même vous attendez encore. Bon, je ne vais pas perdre encore. Chingon a l'argent, hein. Hein. Chingon a l'argent, voilà sa question. C'est comme ça que vous faites. Troisième thème, Russie 2018. Oui. Les grands absents, ça, il s'agit du football. Premier absent. Les Coréens disent quoi? Là, collectivement parlant, je vois déjà il n'y a pas le Pays-Bas. Là, pas le Pays-Bas, il n'y a pas le Pays-Bas. Le Pays-Bas ne va pas en Russie. Exact. Il n'y a pas l'Italie. Exactement. Il n'y a pas. Les Italiens pleurent. Ils pleurent comme si. Il y a encore quelque chose. Ils pleurent comme les enfants. Hein. Donc vous voulez aller dans tous les coups, mais vous ne voyez pas. Tu es de quelle nationalité? Il y a le Cameroun. Je suis la nationalité. Je suis la nationalité universelle. Mon pays, c'est universel. Donc nous sommes représentés à la Coupe du Monde. Vous êtes là-bas? Oui, nous sommes là-bas. Et il y a, là-bas. Oui, je vois la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux. Je vois. Je viens à vous tout à l'heure. Je vois le cluche. Je vois. Qui est même parti en Russie? Quand je vois les gens qui ne sont pas. C'est bizarre. Hein. Je vois aussi le Cameroun. Hein. Monsieur le Cameroun n'est pas parti. La parole. Bon, allez, je vais revenir à vous. Hein. Honorable Majesté, Monsieur le Maire, député. C'est un menteur. Sénateur. Menteur, il a dit que je sénateur, menteur, c'est ça. Oui. Tu assumes. Hein. Bon. On se voit la fin. Dans le grand rendez-vous du football, nous n'y sommes pas. Mais il y a aussi d'autres grands pays qui ne sont pas. Oui, c'est normal parce que le Cameroun n'a pas été suffisamment préparé. Vous savez, au Cameroun actuellement. Qu'est-ce que le climat? Je suis en train d'en venir.
Le climat n'est pas favorable. Vous n'êtes pas sur le moto. Le climat n'est pas favorable parce qu'en Russie, il fait tellement froid. Oui. Et vous savez, il y a parmi les enfants là, il y a d'autres qui sont peut-être nés peut-être prématurés, et puis d'autres qui sont nés avant l'âge, puis d'autres qui sont... Beaucoup, hein, ça vous dit que, comme il y a trop de froid en Russie, il y a trop de froid en Russie, il fallait qu'ils aient au moins... Quand vous voyez un député porter les baignoires, c'est un menteur. Et comme donc, ils n'ont pas eu de 5 ans de préparation, et comme s'ils savaient, parce qu'en fait, les primes que nous devons les reverser... Monsieur le député, oui, les primes, mais pourquoi vous portez les lunettes? Parce que la prime a mon attention là. Pourquoi vous mettez les lunettes? La politique, c'est l'art de bien mentir, parce que quand tu mens, tu regardes l'autre en face, tu ne peux pas bien mentir. Donc, vous reconnaissez que vous mentez? Non, 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 je dis que c'est l'art de mentir. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. Bon, vous reconnaissez que vous avez l'art de mentir? Bon, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, bref, vous dites quoi? Je voulais donc dire que, comme... les primes étaient dans nos bureaux et ça s'est brûlé. Et maintenant, on devait voir comment acheter et comment annuler la Coupe du Monde. Comment on avait annulé les lames, on a annulé le feu. On a annulé le feu. Les ordinateurs qui ont été brûlés dans mon bureau, c'est ce que j'appelle la braquaille. Parce qu'en fait, ça, c'est la les ordinateurs ont été brûlés. On va revoir après. Voilà. Des députés, vous voyez vous-même que ce député ne connaît rien. Je lui ai dit d'aller à l'Institut supérieur parlementaire de Ngompé pour se former. C'est en Afrique du Sud. L'Institut parlementaire, l'Institut supérieur parlementaire de Ngonfet, c'est en Afrique du Sud. Je lui ai dit d'aller là-bas se former. En anglais, en fonction, on dit que attends qu'on m'empre. Attends qu'on m'empre. C'est ça. Okay. Ça veut dire que si ce n'est pas sur le sion. Non, monsieur le député, là vous avez menti, ce n'est pas l'anglais. C'est en anglais. Je suis bilingue, ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'anglais que vous avez parlé. Il faut entrer dans le dictionnaire de l'anglais renforcé. Attends qu'on m'empre, retiens bien. Si ce n'est pas sur le sion, c'est que c'est sur le bion. Si le Cameroun n'est pas là-bas, le Cameroun est là-bas. Si le Cameroun n'est pas sur les sions, c'est qu'il est sur les bions. Et c'est Mbappé, c'est qui? Ce n'est pas un Camerounais. Oui. Mbappé, ce n'est pas un Camerounais. Non, il ne sera pas en Russie. Kylian Mbappé. Ah, c'est Kylian, hein? Oui. Ah, j'ai cru que c'est celui qui joue à la guitare. Ah, il m'a trop fait jouer à la guitare à l'Assemblée. Kylian Mbappé, c'est le footballeur. Voilà, Kylian Mbappé, c'est qui? Ce n'est pas un Camerounais de Douala. Non. Si ce n'est pas sur le bion, c'est que c'est sur le sion. Ça veut dire que le Cameroun est présent sur ça. Le Cameroun en 2018. Bon, Fingon Karala, toi tu es quand même à la diaspora. Avant qu'on passe la parole au représentant de la diaspora, toi tu vis aussi là-bas. Oui. Comment est-ce que tu perçois que les Italiens se mettent à pleurer comme ça là, alors que nous on n'a pas pleuré sur Cameroun quand même. Pourquoi on ne peut pas pleurer? Parce qu'on connaît la cause de ce que nous a fait ne pas partir. Oui. Le gars a diffamé même les lions et notables. Tout à partir de la FIFA que les lions et notables ne sont pas bien. Ils ne peuvent pas jouer une compétition internationale. On les a enlevés, c'est le gars qui a parlé. C'est sa bouche là. Qu'est-ce que les gens partent doucement, hein? Donc les Italiens, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, c'est le gars qui dénonce. Mais je n'ai pas volé sa chaîne. Prendre quelque chose n'est pas volé. Tu comprends, non? Oh, cette émission. Voilà. Que ce canal de comédie. Ouais. Bon, allez, la diaspora va parler. Hein. Une fois de plus, la diaspora qu'en pense que si on pense d'abord à la danse, on risque de ne plus penser à la panse. Sérieux, pensons d'abord à la panse. Avant de voir la danse, avec la bracaille comme ça sur le plateau, c'est à cause de que nous ne sommes pas partis. C'est deux députés, hein? Oui, c'est la bracaille. Non, attendez. C'est une science. La bracalogie. Faire la bracalogie est une science. Ouais, oui, c'est ça. J'ai un diplôme en bracalogie. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez un diplôme en bracalogie. Très bien, monsieur le député. Oui, vous voulez mettre une chute. Si on ne va pas en Coupe du Monde, justement, appelez d'abord Bossadan ou quelque chose, je ne sais pas comment vous appelez votre coach là. Hugo Bros. C'est la même chose. Tant qu'il ne va pas décider d'inclure les vrais joueurs de la diaspora dans son équipe. Comme lequel? Ça dit, vous ne connaissez pas FC Dieneko de Odombessa? Vous ne connaissez pas Katanga City et Bokito? Il y a même élève Zamba Football Club de Mayong Messa. Alors, si tu avais quelque chose à proposer pour la refonte ou la reformation du football camerounais, qu'est-ce que tu allais proposer? Mettez l'onglet encore. Enfermez-le. Faut qu'il ne sorte plus qu'il calme à l'intérieur là-bas. Parce que quand il était enfermé, il ne parlait pas. Hein. Dès qu'il est sorti, on a enlevé sa bouche. Il a commencé à dire des bêtises. Si on enferme, le pays va aller droit. Ce sont les gens qui, quand ils arrivent en Europe, ils dorment sur le toit des immeubles. Comment? Voilà.
Bon, allez, vous calmez, n'est-ce pas? Je pense que... Oui, Fuko Fingon vient se blinder dans ma mamie. Oui, faites-moi un blindage anti... Anti-longa-longa. Oui, je vais vous faire un blindage anti-longa-longa. Et tu as les moustiques seulement à voir le feu sur les voitures des gars. Alors, nous dit qu'on a deux ou trois minutes encore. Trois minutes, n'est-ce pas? Parce que, monsieur le modérateur... Exactement. Oui, je suis en train de voir, il faut Fingon doit venir. Je vais te faire un blindage. C'est que le fou qui a appelé l'Assemblée nationale n'a pas chez Longuel les tout suite. C'est un petit problème. Il ferme sa bouche. Voilà. C'est un petit problème. Voilà. Donc il faut venir avec le coq qui a chanté quoi pour lorsque Pierre Rignan. C'est bien ça où hein? C'est bien où? Si vous ne voyez pas le coq, il faut donc venir avec l'argent. J'ai mon ami là, Modibo. Oui. Modibo va aller en Israël chercher le coq là. Mmh. Donc là, vous allez venir avec. La diaspora va prendre les choses en main. Oui, mais il y a un bon. C'est même vous fermez sa bouche. Et il y a le passeport. Laissez parler les gens, laissez parler. Ok. On va prendre ça chez Élise Ondoa qui vient de mettre au monde un joli. Qu'on nous donne une fidèle prestataire, oui. Qu'on nous donne notre pays. C'est tout ce que vous connaissez les pays. Vous partez à l'Assemblée nationale pour chercher seulement les pays. Le député, monsieur le vraiment, vraiment. 2018, je serai candidat. À quoi? Essaye de prononcer. 2018, je serai candidat. À quoi? Non. Il y a l'élection. Quelle élection? Élection de quartier, élection de chef de... Tu veux que... 2018, je serai candidat. À quoi? Hein? J'ai dit que... 2018, je serai... À quoi? À l'élection. De quoi? Mais avant tout, la ne viendra pas. Monsieur le modérateur, dites à Fingon que s'il ne vient pas, je vois Longa va encore parler. 2018, la diaspora qu'en pense que, au lieu de la danse, pensons à la panse. Évitons de biaiser, il faut piécer. Ces deux braqueurs-là. Il faut envoyer le feu sur leur voiture, ça prend trop le carburant. C'est donc près de 3 millions de carburant par mois. Dans quel pays? Vous avez les... C'est l'avion. Respectez l'humidité parlementaire. Votre humidité parlementaire, on va sécher ça. On va dire bonjour. On va sécher votre humidité parlementaire. On va dire bonjour à un styliste qui va, dans les prochains jours, habiller toute l'équipe de Comédie Presse. Habiller le député. Allez. Fingon Tralala, c'est la première fois que tu es sur le plateau. Hein. Oui, oui, ça me fait plaisir. Oui, bon, dis une petite conclusion. Oui, en conclusion, en définitive, je vais simplement dire que je vais poursuivre les combats. Les combats sont rudes. Je ne peux pas dormir un peu parce qu'on m'envoie les messages, on me traite de voleur. Moi, qui? Les gens me traitent de voleur. Qui encore? L'on veut dire que j'ai volé sa chaîne. Qui est? Le président du Marabout, quand il avait sa chaîne sur lui, j'ai jamais volé une chaîne sur ça. Oui. Il y a des chaînes qui me plaisent sur ça. Voilà. Mais quand même, si il pose moi, je veux prendre, je ne veux pas garder. Je ne vole pas. Tout va, non? Allez, merci à vous de nous avoir regardés. Merci. 2018, je suis candidat. Ah, va là-bas. Allez, Matou, Yoko, Mangai, Manki, je suis candidat 2018. Soutenez-moi. La diaspora va prendre les choses dans ce pays. Tu vas faire quoi? Parle-moi, tu laisses. Tu vas faire quoi? Parle-moi, tu laisses. Je t'envoie le nom.